Salut, c'est Mathias. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis de retour chez mes parents. Donc là, ce que je tenais à dire, c'est que mes parents ont passé un très bon voyage au Laos. Donc ça m'a fait plaisir, j'ai pris des nouvelles, je suis content de les revoir surtout. Parce que un mois sans mes parents, j'avoue que c'est compliqué. Ça me fait plaisir de les retrouver, même si on a passé des phases compliquées avant leur départ. Mais ça me fait plaisir de les revoir. Donc tout ça pour dire que là, les vidéos vont reprendre dans un cadre meilleur. Plus lumineux, hein, parce que chez moi c'était pas le top, hein, je vous ai vu sur ma nouvelle playlist et tout. Donc je comptais aussi remercier, alors tout d'abord je suis content de revoir mes parents, voilà, j'ai dit. Là, il y aura de nouvelles vidéos, donc plus lumineuses. Et oui, le truc fondamental que je voulais vous dire, merci pour les 104 abonnés, ça fait vraiment plaisir. 104 abonnés, je m'y attendais pas, hein. Déjà qu'hier j'étais à 92 abonnés, en une journée je suis à 104 abonnés, donc ça me fait vraiment plaisir. Je vais pas vous mentir, j'ai partagé beaucoup ma chaîne sur des réseaux sociaux pour que ça augmente, hein, pour que les gens puissent connaître Mathias Rod Karaté officiel, Mathias Rod en lui-même. Alors moi et beaucoup d'autres trucs, hein, parce que je fais pas que du karaté, je fais du crossfit, de la prépa physique, crossfit sur les muscles, le fonctionnement des muscles, mes combats que vous pouvez visionner aussi, des tutos, karaté, prépa physique, crossfit, tuto, tout ça, des tutos avec des camarades si je peux juste. Si je peux le faire, des tutos, des best-of, des pubs, des compètes, des photos. Donc c'est une chaîne assez complète. Donc, je vous invite aussi à vous abonner encore, hein, ça me fait plaisir. Je vous invite à vous abonner et merci, et ça me touche beaucoup. Donc c'est parti pour de nouvelles vidéos encore, ça va être à nouveau dans les bacs comme on dit. Donc merci pour tout, ça fait vraiment plaisir et tout ce que je comptais à dire c'est que voilà, je suis de retour. Donc dans de meilleure qualité et j'ai plein d'autres projets encore pour vous, plein d'autres l'inspiration vient, donc j'ai encore plein d'autres projets, plein d'autres trucs sur de la prépa physique, sur du karaté. Donc malheureusement ma saison elle a pas pu être aboutie parce que comme je vous ai dit, suite à des problèmes avec la formation, je vous beaucoup cette excuse là, les compètes pour moi sont touchées pour cette année, hein. Les compètes au niveau national et tout, donc je suis déçu. Bon, qu'est-ce que vous voulez, je suis déçu, mais je suis là, je lâche pas le cap. Je continue à vous faire et l'année prochaine je passe en senior, j'aurai 18 ans en août, je passe en senior et là c'est parti pour mon senior. C'est une catégorie qui pour moi est très très élevée parce que c'est là je suis dans le cours des grands, hein, je serai un enfant à côté d'eux, mais ça me fait pas peur, je lâcherai rien, mentalement je craque pas, je serai là pour vous faire partager ma saison, même si je sais que les podiums seront moins fréquents. Parce que senior c'est quand même un autre monde, comme on dit, hein, jusqu'à junior ça va, hein, j'ai pu faire des podiums en Martinique jusqu'à maintenant, en Martinique, en Gironde, en Aquitaine, en Interrégion. Donc merci, je vous tiendrai au courant pour tout ce qui viendra par la suite. Vraiment ce que je tenais à dire, merci, je sais pas encore comment vous remercier, et vraiment qu'est-ce que je voulais dire, et que l'année prochaine ce sera des nouveaux combats. Qui seront pas peut-être, je me ferai un peu comme on dit chez moi, macaté, c'est-à-dire malmené par les seniors qui m'attendent. Hein. Mais on lâche rien, mentalement je lâche rien et ça va me faire prendre de l'expérience. Et comme moi je suis dans un statut de haut niveau, je vise vraiment les JO 2020. Et le karaté aux JO depuis quelques mois, en 2020 à Tokyo, on vise cet objectif-là. Donc je m'entraînerai pour, je ne vous lâcherai pas. Merci.